Regardez-le celui-là, comment il est beau. Ah mon gars, allez dégage. Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top. Aujourd'hui on se retrouve pour la 20ème partie sur Let's Play de Spyro Hero's Tale sur Nintendo GameCube. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait terminé la mine sombre, voilà, on avait tout récupéré. On a ensuite commencé le niveau du laboratoire de Red. On avait même fait une petite halte au village de Frostbite pour récupérer la dernière gemme lumineuse et le dernier œuf qui nous manquait. Et aujourd'hui, on va essayer de terminer le labo de Red en récupérant ce qui reste à récupérer. Donc pour cela, voilà, on peut passer ici. Donc je suis invincible, j'en profite pour ainsi passer là. Et d'ailleurs, il y a encore le robot Megatroid, voilà, qui nous attend. Bah oui, c'est le cas, tu vois bien. Par contre, pourquoi je suis là, moi? Oui, il faut que je monte là. Parce que ici, voilà, ici se trouve la gemme lumineuse, voilà, qui me tend les bras. Juste là, voilà, très bien. Alors d'ailleurs, par contre, ouais, il me semble qu'on peut passer ici et là. Car je crois qu'il y a autre chose à récupérer si je me gourre. Ou c'est juste des joyaux. Bon, c'est juste des joyaux en fait. Bon, c'est toujours ça de prive. Voilà, c'est toujours ça de prive. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir enchaîner avec la salle suivante. Amoureux-toi. Aïe. Coucher. Putain, ici ça fait un boucan épouvantable. Oh là. Attention au laser quand même. Hein. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Va-t'en de là. Ici, bon, non, ici on peut rien y faire. Je crois qu'il n'y a rien à faire en plus ici. Non, je crois qu'il n'y a rien à faire. On avance. Gros chou. Ouais, gros chou, j'ai pas forcément besoin de toi. Aïe. Non, mais suffit. Alors, ici, oh les. Qu'est-ce que vous voulez, les gars? Non. Voilà, ici se trouve une nouvelle gemme sombre. On passe à 39. Il n'en reste plus qu'une. Par contre, ici, il y a quelque chose à faire. Je sais plus. Non, on est au bout. Hein. On est bel et bien au bout. Je crois qu'il n'y a rien à faire. Hein. Non, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à y faire, c'est le vide. C'est le vide. Je vais quand même revérifier un coup. Juste pour être sûr, hein, mais je crois qu'il n'y a vraiment rien. Oh, ça suffit. Coucher. Il n'y a vraiment rien à y faire ici. Non, je crois pas. Hein. Ok. Alors, demi-tour. Ah, tiens, gros sous, tant que tu es là, tu vas me faire la gentillesse de me téléporter. Voilà, me re-téléporter au centre. Vu qu'on peut pas faire demi-tour. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, cette porte là c'est fait, donc on passe à la porte suivante. Voilà, qui est la porte là-bas. Allons-y, let's go. Par contre, si je peux récupérer un peu de vie, ça m'arrangerait. Merci. Allez, porte suivante, c'est celle-ci. Oui, c'est bien celle-là. Donc on va enchaîner. Oh, c'est pas vrai. Saloperie. Alors ici, oula, il y a du monde ici. Il y a du monde au balcon. Alors là-haut, il y a un œuf. Ouais, c'est bien ça. Oh, c'est pas vrai, dégage. Mais c'est fini, oui. Vas-y, fais-moi monter. Non, je suis un peu court là. Non, il va falloir... Ah, oh, mais si. Non, non, il faut que je passe par là-bas. C'est sûr. Par contre, j'ai peur que lui, il m'embête, là. Non, c'est bon. Ouf. Donc, ici, on va pouvoir passer là.
hop, sans rester 10 ans là-dessus, puisque ça s'effondre, vous le voyez. Il y a quelque chose ici, oui. Par contre, il y a un ennemi qui m'a tiré dessus, là, je sais pas qui c'est. Ça, ça fait quoi, ça? Ah, ça m'ouvre la porte vers la suite, d'accord, ça marche. C'est pas chronométré, c'est pas chronométré, j'ai tout mon temps. D'accord, c'est lui là-bas qui me tire dessus, ok, ça marche. Aïe, bien joué. Ok, j'ai eu tous les autres dragons de la série 8, donc maintenant je pourrais faire les jeux de Blinky. La suite c'est où? C'est là. Là, ici. Oh. Je t'ai pas vu toi. Désolé. Moi aussi. Quelle coïncidence. Loul. Oh, des rats. Allez, venez là les ratanas, j'ai besoin de vous. Vas-y Spark, c'est quand tu veux. Putain, mais Spark, il n'arrive même pas à choper des papillons. Aïe. Alors ici, vous pouvez l'entendre, il y a une gemme lumineuse dans le coin. Essayez de la récupérer, de ce pas. Toi, tu dégages. Ouais, oh, 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 oh. Calme. Calme, les gars. Alors, ici, il y a un ascenseur. Évidemment, je l'ai raté, sinon c'est pas drôle. Voilà, c'est bon. Vas-y, fais-moi monter. Alors, ici. Hop. Casse tout. Ah oui, ici. Alors, ici, il y a une plateforme. Voilà, la plateforme va m'emmener. Punaise, je pensais pas qu'elle allait me toucher maintenant. Elle est partie? Ah oui, elle est partie, elle revient pas. D'accord. Loul, donc je vais devoir attendre. Bon, sinon, on va faire la suite pour l'instant. Je sais plus c'est quoi après. Il y a l'osso qui est là. Ouais, il y a un autre truc ici. Bah, on va le faire après l'autre truc. Comme ça, tant que la plateforme revient, j'ai le temps de faire ce qu'il faut. Ici, ça pète à rade aussi dans tous les sens. Hein. On l'entend. On entend faire boum, 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 boum. Ici, ouais, on va pouvoir monter. Là, demi-tour. Vas-y, demi-tour ici. On monte. Et là, il va pouvoir passer je ne sais plus où. Ici. Ouais, c'est ça, parce que la chaîne lumineuse se trouve là. Voilà, c'est ça. Vas-y, monte. On passe là. Et tu passes ici pour récupérer la gemme lumineuse. Très bien. Passe à 99. Plus qu'une. Alors ensuite, c'est où la suite déjà? Je crois qu'on peut descendre hein, en plus. Oui, la dernière gemme sombre est là. Mais pour l'atteindre, il va falloir que je descende. Il n'y a rien ici? Non. Ok. Vas-y, casse-moi ça. Voilà, ce qui va me faire pouvoir. Ce qui va me permettre, pardon, de monter. Et j'ai une minute pour remonter. Par contre, comment je monte, moi, déjà, je ne sais plus. Voilà. Oh, évidemment, je me cogne. Sinon, c'est pas drôle. Go. Allez, voilà, très bien. Hop, et si on prend ça, on monte. Oh mais non, mais pourquoi tu descends en bas? Ça encore une fois, vous voyez, c'est parce qu'il a fait son demi-tour à la con, que je déteste. Non mais je vais me faire avoir là. Voilà, on va se faire tuer. On va refaire. J'avais plus de spark, j'avais plus rien, donc autant refaire. Tiens, tant que j'y suis, on va recommencer le passage ici. Si je le peux. Voilà, vas-y, monte. Voilà. On va repasser là. Hop. Voilà, car là-bas, il y a une gemme lumineuse qui m'attend, mais pour cela, il faut bien jouer. Waouh, waouh. Aïe, elle s'est ratée, punaise. Oh, flûte. On va y arriver, hein, vous inquiétez pas pour ça. Je vais y arriver. Un jour. Ou l'autre. Loul. Allez, c'est pas grave, on va retenter ce passage-là. Tant que je suis là. Allez, go.
On peut passer. Ouais, voilà, en fait, faut mieux passer là, ça. Plus simplement ou pas. Boul. Allez, vas-y. Mais vas-y! Mais ça m'énerve, à chaque fois il fait un demi-tour que je veux pas, c'est ça qui me saoule. À chaque fois il me fait une espèce de demi-tour, ça me saoule. Vraiment. Ça m'énerve au plus haut point, ça. Il fait une sorte de demi-tour, c'est chiant. Alors que je ne veux pas qu'il fasse de demi-tour comme un con. Ensuite c'est là-bas. Là. Vous voyez, il a refait. Et putain. Mais voyez, il a refait son demi-tour. Un demi-tour qui me casse les pieds. Franchement, je vous le dis. Ok, allez, on repart. Ouais, si je peux pas passer sans me faire toucher, hein, c'est dingue. Et puis là j'ai un nouveau plus Sparks, donc si jamais je me refais toucher, bah, c'est la mort, je dois recommencer depuis le départ. Bon, vous inquiétez pas, on va y arriver les gars, c'est moi qui vous le dis, voilà. Non mais c'est un troll là les gars. Non mais là les mecs c'est un troll. Non mais le machin il est fermé. C'est énorme, hein, faut que le truc se ferme devant mes yeux, c'est... Alors que le compte à rebours est toujours là, mais le machin est fermé, hein. Non mais c'est une blague, les gars, ou... On s'approche de la fin du jeu, je me troll, quoi, c'est... C'est beau, hein. C'est super beau, les gars, j'adore. Je vous adore, les gars, vraiment. Je vous apprécie vraiment. Voilà. Ok, ça c'est fait. D'ailleurs, c'était pas compliqué. Et on passe à 100 gemmes. Ça y est, on les a tous. 100 gemmes sur 100. Impeccable. Bon. Maintenant, ça. Vais-je enfin réussir à voir cette putain de gemme sombre ou pas? D'ailleurs, pourquoi il y a un machin ici? Oui, c'est normal. Peu débile, hein, venant de ma part, mais bon. Bon, allez, j'aime son troisième. Mais bordel, je vous jure. Porte Nawak. Mais putain de... Ça me saoule. Ça commence à me gonfler, ces conneries. C'est moi qui vous le dis. Oh, vas-y! Est-ce que je peux réactiver le truc ou pas? Voilà, là, il est réactivé pour une minute. J'espère qu'il est réactivé et que la cloche va pas se fermer au bout de 30 secondes. Parce que là, non, là. Là, je vais dire non, les gars, vraiment. Allez, vas-y. Ok, la cloche est toujours ouverte pour l'instant. C'est bien. Allez, tu vas passer, oui. Nom de Dieu. Et ben voilà. Putain, c'était pas compliqué. Ok. 40e gemme sombre détruite. On va pouvoir maintenant affronter Red. Par contre, pour cela, il faut que je trouve aussi la dernière gemme, le dernier œuf aussi. Je sais un peu où est-ce qu'il est. Il est pas là-haut des fois? Il serait pas là? Non, non, il est pas là. Oh, là, vas-y, redescends. Hop! Et on va remonter. Or, à moins que le dernier œuf se trouve au niveau de Red. Je sais plus où il est, le dernier œuf. Non, ici, il n'y a plus rien, je pense pas. Non, non, ce serait même étonnant. Il sort de là, on va regarder sur la map. Non, non, j'ai bien tout fouillé. Il manque plus que le passage de Red. J'espère qu'il est là, le dernier truc. On va aller vérifier. On va faire une vérification. J'espère qu'il est là.
Parce que s'il n'est pas là, je vais m'énerver. C'est moi qui vous le dis. Alors, maintenant que ça c'est fait... Vas-y, avance le truc. Ah mais non, il est là, voilà. C'est un voleur qui l'obtient. Allez, viens ici, toi. Je te crame la tronche. Arrête de courir, mon gars. Mais... je vais t'avoir, je m'en fous, je vais l'avoir. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Très bien. Et voilà le dernier œuf, parfait. 80 sur 80. Et j'ai débloqué donc les images du jeu. Bah voilà, maintenant qu'on a tout récupéré, les 80 œufs, les 40 gemmes sombres et les 100 gemmes lumineuses, on va pouvoir aller chercher Red maintenant. Alors Red, aïe, poussez-vous. Cassez-vous de mon chemin. Aïe. Non, on a très très peu de temps, voilà. Hop, très bien. Voilà, et maintenant que j'ai eu les 40 gemmes sombres, voilà, ce passage-là est maintenant ouvert. Professeur, je vous ai enfin trouvé. À quoi pensiez-vous pour partir affronter Red? Je ne sais pas. Je pensais pouvoir l'arrêter après que vous l'ayez affaibli. Mais dès que je suis arrivé, j'ai été capturé et enfermé dans ce labo. Red m'oblige à travailler sur sa nouvelle armée améliorée. Voilà, donc vous l'avez peut-être vu, donc Spyro en combattant Red l'a mis dans ces espèces de rayons électriques qui transforment tout en espèces de robots. Et suite à ça, ben, vous l'avez vu, le professeur s'est un petit peu gouré de touches. Et au lieu de faire rétrécir en fait, parce qu'il voulait faire rétrécir Red, ben, il l'a fait carrément agrandir quoi. Et donc maintenant c'est un méca Red géant là maintenant que je dois affronter. Voilà, ouais, attention à son laser. Ça me fait beaucoup penser à Gulp ce laser là. Voilà. Mais. Allez, Red, arrête. Voilà, et maintenant. Voilà, et maintenant qu'il est de nouveau affaibli, maintenant je peux lui tirer dessus avec ses fusées. Aïe. Voilà. Parfait. Allez, phase 2. Non, je crois que ça, c'est avec le souffle électrique que je peux les avoir. Voilà, c'est ça. Hop, ça va beaucoup plus vite comme ça. Alors là, attention, olé. T'as des grandes pattes, mon cher Red. Alors évidemment, ne pas s'approcher trop de lui non plus, hein, parce que sinon, il risque de foutre un gros coup de queue. Qui s'y fait déjà. Ah oui, il fait ça. Là, je vais nous dépêcher, bon, c'est pas grave. Alors là, ici, voilà, je dois activer les quatre poteaux électriques pour pouvoir l'électrocuter. Voilà. Hé, ça fait mal mon gars. Hein. C'est bon? Non, c'est pas bon, il y en a encore un là, voilà. Donc là, maintenant, c'est son coup de pied. Oh là là.
Voilà, normalement, je crois qu'il va me balancer ses flammes. Non, c'est ses missiles. Donc là, faut juste courir. Même principe de l'autre côté. Allez, de l'autre côté maintenant. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait déjà? Voilà, là, il rétrécit. Alors là, je ne sais plus. Oui, c'est là-bas. C'est ça. Là, il faut maintenant que... Voilà, j'active le bouton. Voilà, pour que les ennemis tirent sur Red. Voilà, et là, faut juste attendre, hein, tout simplement. Ah, parce que vous voyez, Red perd de plus en plus de vie. Ah, je pense qu'encore un coup, puis ça devrait être bon. Attention quand même. Hop. Là, c'est son coup de pied. Voilà. Attention à l'onde de choc. Olé. Ok, parfait. Maintenant, c'est ses missiles. De l'autre côté. Très bien. Voilà, maintenant, il rétrécit. Alors, où est la cible? Elle est là-bas. Vite, 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 vite. Hop, très bien. Allez, tirez sur lui. J'espère que ça va suffire. Il me faudra peut-être encore un coup. Ouais, je crois qu'il va me falloir un coup de plus. Ouais, il va me falloir un coup de plus. C'est bon? C'est bon. Attention, parfait. Attention. Allez. Ok, c'est bon, maintenant les missiles. Très bien, de l'autre côté. Parfait. On passe par là. Impeccable. Là maintenant il va rétrécir. Ah, où est la cible? Oh bah juste là, c'est parfait. Hop. Allez-y, tirez sur lui. Et normalement on est bon. Voilà. Impeccable. Non, c'est l'autre bouton. Voilà. Voilà. Maintenant c'est toi le petit dragon Red. Et voilà, et maintenant Red a été battu. Et voilà donc les crédits, parfait. Bon, les crédits, je vais pas vous les montrer, moi je les montrerai peut-être à la fin, parce que je vais quand même vous montrer un petit peu les images du jeu qu'on débloque une fois qu'on a fini le jeu. Enfin, un petit peu les bonus qu'on a débloqués. Donc là, vous voyez, donc ici j'ai bien tout récupéré. Donc j'ai bien récupéré les 80 œufs, les 40 gemmes sombres et les 100 gemmes lumineuses. On va sauvegarder la partie. Oh, évidemment, il y a une erreur. Loul. Kikouloul. Bah attendez, c'est pas grave, 30 secondes, je vais relancer la console, je fais une coupure, je vous reprends tout de suite après.
Voilà, donc on se retrouve donc après la coupure. Je suis désolé pour la coupure. Et donc je vais vous montrer donc un petit peu les déverrouillables. Donc en fait, on a débloqué donc ici le visualiseur de modèle. Donc là, on voit en fait tous les personnages du jeu. Voilà, le sergent Bird, Sparks, Blinky. Voilà, le professeur, excusez-moi pour la petite attente, Grossou, les anciens qui sont là ici, Zoé, Blaze et Flame, je crois. Voilà, puis ainsi que les ennemis qui sont ici et là. Voilà, Otto la loutre, la sirène. Voilà, puis après on peut aussi voilà, tourner comme ceci. Hein. Ça, je voulais pas montrer non plus. Donc voilà ici. Comment ça se passe, voilà la reine des bois, les anciens, le méchant sorcier, les ennemis une fois de plus, voilà. Je fais vite hein, parce que j'ai plus trop de temps, donc j'essaie de me dépêcher. Voilà Niastinyork, Ineptune et j'ai oublié Red. Voilà, et Red. Ensuite, on a aussi le visualisateur d'image, voilà pareil, je vais essayer de faire ça au plus vite. Voilà, car après j'ai pas trop de temps. Alors faites, n'hésitez pas à faire pause, bon même si là je vais un peu vite, mais bon voilà. De toute façon j'aurai pas le temps de tout vous montrer. Voilà, ce sont vraiment les images du jeu. Voilà, je me dépêche un peu parce que j'ai vraiment pas le temps. Ici voilà les mini-jeux, donc là ici on peut jouer à tous les mini-jeux, donc le mode facile et le mode difficile avec Spyro, Bird, Sparks et Blinky. Et on a également le choix du personnage, donc vous pouvez jouer soit avec Spyro, soit avec Flame, soit avec Ember. Voilà, donc par exemple si je fais charger une nouvelle partie et que je prends ma sauvegarde, normalement je devrais jouer avec donc là ici j'ai pris Ember. Donc, normalement je devrais jouer avec Ember, on va regarder ça tout de suite. Voilà, et normalement voilà, et vous voyez ici là maintenant je peux jouer avec Ember, la petite dragonne. Voilà, c'est un petit truc à savoir, voilà. En tout cas c'est assez sympa vraiment hein. C'est super sympa de pouvoir jouer avec certains types de persos. C'est vraiment cool et moi j'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez, donc c'est là-dessus que va s'arrêter ce let's play. Donc c'était Top Top donc pour cette 20e et dernière partie donc sur le let's play de Spyro et Heroes Tale. J'espère que cet épisode et que ce let's play vous auront plu. Et quant à nous, eh bien on se retrouvera donc très prochainement pour un tout nouveau let's play. Et en attendant, bah moi je vous dis à la prochaine tout le monde.